Alors que la situation est toujours critique dans le Tigré, le nouvel homme fort de la région, le docteur Mulunega Kasai, nommé par le gouvernement éthiopien, a tenu sa première conférence de presse, l'occasion de remettre en cause l'emprise du TPLF sur les habitants du Tigré. Au cours des 2 dernières années et demie, le TPLF a travaillé à la déstabilisation du pays, commettant de nombreux actes qui menacent l'unité du peuple, la souveraineté et la défense du pays. En particulier, il a formé de nombreux jeunes et enfants mineurs au Tigré au nom des forces spéciales et des milices pour déstabiliser le pays. Dans le même temps, le directeur général de l'OMS, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, a démenti sur son compte Twitter prendre parti pour le TPLF. Il a précisé n'être que d'un seul côté, celui de la paix.